Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes ici en compagnie de Viviane Abba, la directrice de Isis Hotel, situé à un jet de pierre de l'aéroport de Simalène, à deux pas du commissariat de police de la ville d'Odja et éventuellement à Odja. Odja qui est une bourgade à un jet de pierre de la capitale politique Yaoundé. Et aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour ce chef-d'œuvre Isis Hôtel, basé, n'est-ce pas, dans cette belle cité d'Odja. Et c'est pour en dire un peu que nous sommes allés à la rencontre, n'est-ce pas, de Madame Viviane Abba. Alors, bonjour, Madame. Bonjour, Hilaire Sophie. Alors, Viviane, dites-nous, aujourd'hui, c'est un vent nouveau qui souffle sur votre établissement. Est-ce qu'on peut en savoir ce qui se passe ici aujourd'hui? Alors, en effet, ce jour 16 septembre 2022, nous ouvrons officiellement notre bar panoramique baptisé Odja Rooftop Experience. Alors, c'est simplement un concept de terrasse. C'est un espace loisir, un espace calme. C'est un cadre prestigieux permettant à toute personne désireuse de prendre de l'air, de passer du bon temps, consommer du bon vin ou alors une bonne boisson fraîche, voilà. Ou alors de se détendre autour d'un billard, de s'y installer calmement, voilà, et passer un bon moment. Effectivement, on a vu qu'il y a un billard situé à juste à côté du bar et évidemment c'est l'ouverture de ce grand bar en ce jour baptisé de Rooftop. On est aussi à deux pas quand même de l'aéroport de Simalène et est-ce qu'on peut dire que ceux qui viennent de loin, de Paris, de la diaspora, ils pourront éventuellement trouver leur compte dans votre établissement? En effet, parce que Isis Hotel, c'est si bien dit, c'est un hôtel, voilà, donc c'est un espace qui offre des chambres, voilà, donc toute personne désireuse, par exemple, de se rendre à l'aéroport de Simalène, le trajet assez court, peut simplement s'installer à Isis Hotel, voilà, le temps peut-être d'un vol, le temps d'attendre un vol, le temps de se reposer quelques heures avant le départ, ou alors si on veut vraiment être à l'aéroport à temps, voilà, on peut séjourner à Isis Hotel, simplement. Alors, Isis Hotel, donnez-nous quand même une certaine idée. Combien de chambres? On sait qu'il y a également des suites ici. Est-ce qu'on peut avoir une idée comme ça de votre établissement dans sa globalité? Alors, Isis Hotel comporte 40 chambres et suites cumulées. Donc, nous avons 6 suites, 4 chambres twin et 28 chambres standard. Alors, aujourd'hui, rien que pour cette ouverture, on a la crème musicale camerounaises telles que Elvis Kemayou, mathématiques de Petit Pays, Christian Love qui nous vient de France et bien d'autres noms tels que Moustique, le charismatique qui sont là. Mais attendez, c'est pas rien aujourd'hui. Oui, en effet, c'est pas rien parce que nos clients en fait sont assez prestigieux. Alors, ils méritent en fait tout ce qu'il y a de meilleur pour eux. Donc, tout ceci, c'est pour le bien et le confort de nos clients. Et pour couronner, on a quand même l'ambassadeur Roger Mila qui est là. Madame Cortès, également une personnalité de la République qui est là. Pourquoi tous courent auprès des Isis Hotel? Alors, parce que Isis Hotel, forcément, a quelque chose de particulier, ce petit truc. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ce sont nos parrains et ils soutiennent justement l'entrepreneuriat camerounais. Alors, en termes de personnel, personnalité, on sait que Isis Hotel, via vous qui êtes la directrice, vous êtes en plein recrutement, j'imagine. Vous luttez contre le chômage. Sur le plan social, comment s'organise cette entité ici? Alors, sur le plan social, moi, je voudrais rassurer tout le monde que Isis Hotel ne recrute pas des personnes par forcément des recommandations. Donc, nous invitons tout le monde, toute personne apte, voilà, toute personne apte à pouvoir travailler dans un hôtel, bien sûr, à déposer les offres, les demandes d'emploi. Et naturellement, on pourra recruter. En tout cas, merci Viviane. C'était donc Viviane Abba, la directrice d'Isis Hotel, où nous sommes présentement. Hilaire Sopi, la voix de la diaspora. Pour ceux qui nous suivent de par le monde, sachez que Isis Hotel est situé à un jet de pierre de l'aéroport de Simalène. Et donc, si vous êtes de passage à Yaoundé et que vous êtes en vacances ou dans les affaires, c'est le lieu indiqué pour se poser, pour se reposer. Et à quelques minutes seulement, on est à l'aéroport pour ne pas
louper son vol, surtout en ce moment où les bouchons fusent un peu de partout. Alors un dernier mot à ceux de la diaspora qui vous suivent et qui, on ne dirait pas qu'ils vont hésiter, parce que s'ils laissent Opia pu séjourner ici, c'est dire ô combien le lieu m'a convaincu et je suis repars totalement satisfait. Alors, à nos amis de la diaspora, moi, je voudrais juste vous rassurer que Isis Hotel, c'est un cadre assez reposant, très, très propre et surtout très accueillant. Donc, n'hésitez vraiment pas, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez séjourner à Yaoundé, au quartier Messam Ndongo, à Isis Hotel. Merci.